Comment réaliser le développement tout en préservant l'environnement pour les générations futures en Côte d'Ivoire? Préoccupation à laquelle le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut apporter une réponse. La quinzaine de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est donc lancée. Objectif, sensibiliser les différentes couches socio-professionnelles, les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, mais aussi la société civile et les élèves à un changement de comportement favorisant la protection de l'environnement en vue d'assurer un développement durable. Le ministère entend ainsi inviter l'ensemble de ses parties prenantes à la protection de l'environnement, à proposer des activités de sensibilisation sur l'importance qu'il y a à protéger son environnement. Une caravane abidjanaise de la salubrité, des ateliers de formation, un panel scientifique, une tournée d'éco-citoyenneté dans les écoles, des journées portes ouvertes, des activités qui vont meubler cette quinzaine de l'environnement qui prend fin le 20 décembre prochain.